بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم اما بعد فنكمل في دروسنا من كتاب نور الاضاح ونجاه الارواح للشيخ اشهر البلالي رحمه الله تعالى

alors il mentionne ici le, euh, la purification de l'impureté qui est visible l'impureté visible dans le madhhab Hanafit, l'impureté qui est visible c'est euh, l'impureté qui, euh, qui est encore visible après avoir séché comme par exemple une goutte de sang par exemple. Ça c'est l'impureté qui est visible. Et l'impureté qui n'est pas visible, c'est celle qu'on ne voit pas, c'est celle qu'on ne voit pas après qu'elle est séchée. Alors l'impureté visible par le fait d'éliminer sa substance en versant de l'eau dessus une fois. Même si c'est une seule fois pour l'impureté qui est visible, même en versant de l'eau une seule fois, selon la vie qui est juste, parce qu'il y a plusieurs avis dans l'école Hanafite, alors cela suffit. Et il n'y a pas de nuisance quant à la persistance de certaines euh, traces euh, qu'on n'arrive pas à faire partir. Dans cette question-là, il n'est pas nécessaire d'utiliser du savon, il n'est pas nécessaire ou demander d'utiliser de l'eau chaude, bien que cela facilite l'élimination des, des, des traces, euh, mais ce n'est pas quelque chose qui est indispensable, qui est demandé, même si on en a à disposition. Si le, la Najasah n'est pas visible, c'est-à-dire qu'on ne la voit plus après le séchage, après qu'elle est séchée, alors ce sera en la lavant trois fois et en essaurant à chacune de ces fois-là. Bien sûr, ici, ce jugement-là, quand il parle de l'impureté qui a séché dont on ne voit plus les traces, dont on ne voit plus le caractéristiques de l'impureté. Alors il faut laver trois fois et entre chaque fois essorer et entre chaque fois essorer. Ici cette question là, ce détail là, il rentre dans le cas de figure où on a mis l'habit dans un récipient. C'est dans ce cas de figure là. Pourquoi Parce que si on a versé de l'eau dessus ou qu'on a mis dans de l'eau qui est courante, dans l'eau d'un fleuve par exemple, alors l'eau du fleuve ou l'eau courante, coulante, euh, même une fois, à le jugement du triple et à le jugement de l'essorage. C'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire de l'essorer trois fois, il n'est pas nécessaire de, euh, de le laver trois fois. Donc les savants mentionnent, euh, les Chayyot mentionnent que si la personne a trois récipients et il a plongé l'habit à purifier imp d'une impureté, d'une impureté qui n'est pas visible. Qui, qui n'est plus visible après séchage. Il a plongé dans le premier récipient et après il a ressorti, il a essoré. Il a plongé dans le deuxième récipient, il a sorti, il a essoré. Il a plongé dans le troisième récipient, il a sorti, il a essoré. Si les traces ont disparu, l'habit est purifié. Donc c'est dans ce cas de figure-là, pour l'impureté qui n'est pas euh, visible, qui n'est pas visible après le séchage, et, pour, pour, et ce n'est pas le cas où. Euh, on, on, a, on a purifié avec l'eau qui est euh, courante, comme l'eau du fleuve, euh, et ce qui est pareil. Et la purification de ce qui ne peut être essoré, de, alors on va le laver jusqu'à ce que... On, on, on est là euh, jusqu'à ce qu'on ait une présomption. Euh, on a une forte pensée. On a une pensée, c'est-à-dire on n'est pas dans le doute, mais on pense que on a la présomption que cette chose-là, elle est pure. Cela suffit. Il y a certaines choses, on ne peut pas, euh, on ne peut pas essorer. Donc certains, ils disent verser, par exemple, de, 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 de l'eau trois fois jusqu'à ce que l'égouttement est chaque fois terminé. Sauf erreur, il mentionne cela dans le Muqtasar al-Quduri. Maintenant, il mentionne un chapitre concernant les manières de purifier les différentes impuretés. « wa sallallahu wa sallam ala